il va régler la crise. Parce que comme je dis, ce n'est pas une question de sénateur la torture, ce n'est pas une question de l'opposition, ce n'est pas une question de au monde. C'est une question de la souveraineté populaire qui réside dans l'ensemble des citoyens. Et souveraineté populaire, ça, c'est l'ensemble des citoyens qui peuvent exercer. Ils exercent la constitution, ils disent comment vous changer la constitution. Je dis à un monde qui sont constituants dérivés, c'est-à-dire qui dérivés de la constitution de 1987. Donc, qui doit nous respecter, qui prête sa masoline, qui dit la foule dans la tête. C'est quand vous regardez aujourd'hui, pour l'entreprise, vous mettez un monde qui bouge dans l'entreprise là, et puis le monde dit, je ne vais pas respecter aucune loi dans l'entreprise là. C'est l'ensemble des actionnaires qui doit régler le problème là. L'ensemble des citoyens, c'est l'ensemble des actionnaires qui est responsable pays. Donc, je dis à ce qu'on monde qui dit que les bois le font bagaille, les bois aller pour le faire référendum, eh bien, à partir de ce moment, moi, parce que le peuple doit réagir. Et nous, comment le peuple continue à réagir? Comment se réagir? Notre petit peuple continue à réagir parce qu'il y a une ops qui est comme peuple dans 27 millions de dollars pour que lui fasse un référendum. Pendant que les Nations Unies disent un référendum n'est pas inclusif, n'est pas participatif. Donc, nous demandons au peuple à le devant bureau une ops. Nous demandons pour qui est-ce que ça fait le référendum là? Nous demandons au peuple à le bon coup des Nations Unies, le PNUD. Pendant pour qui est-ce que ça fait référendum là? 20 millions de dollars maintenant, puis tout le monde qui est là, qu'est-ce que c'est ici? Quand le 20 millions de dollars qui est débloqué pour Kep là, eh bien, son corps qui va passer, qui va couler compte, que les gars dépensé dans le BDM, on l'autre gars contre moi. Et tout le monde vient pour répondre de dépenses à eux. Donc, dans ce sens, parce que la crise va être résolue lorsque l'ensemble des citoyens détenant la souveraineté populaire va dire stop, on va accepter ça. Sénateur, sous même là, c'est ça, président, renouveler que l'année, c'est une année élection, une année électricité. Et sous même l'initiative, nous te faisons manifestation, bon, il n'y a pas tellement ok. Donc, qui méthode tu as utilisé là pour t'as bloqué peut-être que tu as fait ça? Premièrement, bon, on dit, on va se dire que sur le terrain, nous sortis là, lui déjà, les lapins dérapés à 3 minutes. Donc, moi, je pensais que c'est la reprise de la mobilisation. Et soit regarder en pleine mobilisation, il faut regarder côté le fait, il ne faut pas évaluer la partie de Port-au-Prince seulement, il faut évaluer la partie de tout côté que le défait. Et cette reprise de la mobilisation va déclencher une mobilisation permanente. Maintenant, je vais m'expliquer, nous. Moi, je pense que je dis, moi, je vais répondre à la question, comment vous bloquer la question? Le peuple a non plein droit, parce que la magie d'après la Constitution. Le peuple a allé, les bloquons débattent, ils vont participer. C'est un début. Le blocage est un processus. C'est un processus qui est lancé. Côté Jodia, la mobilisation doit être permanente dans les 145 communes du pays, dans les 670 sections communales et quartiers du pays, dans les 41 arrondissements, dans les 10 départements et dans la diaspora. Et me féliciter, diaspora, pour la grande mobilisation, vous faites Washington hier, qui. Je dois rappeler Biden exactement ce qu'il a dit par rapport à Haïti. Après ça, les sénateurs, nous avons un département d'État qui réagit après le match diaspora qui dit que c'est une élection pour organiser. Bonjour, nous allons parler pour l'élection. Et moi, je dis, si je suis en élection, je vais battre une élection. Ah oui, c'est un problème. Non, je ne vais pas en élection, je ne vais pas en élection, je ne vais pas. Mais nous avons une élection. D'ailleurs, moi, toujours gagné l'élection, que ce soit en 2006, que ce soit en 2015, dans le premier tour. On n'est pas foutu team, moi-même, moi, tape l'élection. Moi, je voulais aller à l'élection, mais l'élection qui passe l'élection. Je ne vais pas aller à l'élection à Jovenel, parce que le mandat Jovenel fini. Hein? Je ne vais pas aller à l'élection, sélection. Moi, je dis au gouvernement, au exécutif neuf, que nous n'avons pas besoin d'adam. Parce que nous n'avons pas besoin d'adam. Parce que nous avons, justement, au niveau de l'opposition, nous avons un discours, puisque c'est un gouvernement aujourd'hui qui gagne un bilan zéro. Nous avons des dossiers qui font au Sénat, qui prouvent. Et nous pensons que l'opposition a cette capacité. Donc l'opposition n'a pas élection du tout. Parce que chaque monde met ça en tête. D'ailleurs, plus fort monde qui était dans l'opposition était dans le Sénat de la République. Et où presque tout est passé au premier tour. Donc aujourd'hui, on nous dit. Élection veut dire, c'est le peuple qui choisit, c'est par sélection. Je venais de dire que depuis là, lui-même, il ne peut pas quitter l'élection.
Donc nous pas élection mais nous pas parler avec Jovenel. Nous parlons d'une élection libre et démocratique et nous parler le que gagner politiquement. L'article 134.2 est mis en application, donc le départ du journal. Le fait CEP pour un CEP vraiment représentatif avec secteur et de la vie nationale. Le gagné en audit qui fait sur question carte électorale là. Et puis sécurité qui vous au minimum établi pour le peuple à voter en toute liberté. Et le ça, nous-mêmes, nous parer pour que. Et bien dans l'élection, parce que nous pas pour l'élection, et si l'opposition est dans l'élection, et bien la gagne l'élection, parce que l'opposition a rassemblé pour que vous baillez une leçon. Mais nous pas parlons dans l'élection avec Jovenel, nous pas parlons dans l'élection sélection, et nous demandons certaines réformes qu'il veut faire avant que nous allions dans l'élection. Nous sommes en train de faire des choses qui sont en train de se faire.